Je joue pas un morceau, là, j'improvise. J'essaye des notes, c'est pas parfait, peu importe, je cherche. J'essaye. Peu importe que ce soit parfait, là je travaille, je m'amuse un peu, je joue, je cherche, parce que je suis un chercheur. Mon métier, mon domaine de recherche, c'est la chirurgie assistée par ordinateur. Je travaille avec des chirurgiens. Je ne suis pas un chirurgien moi-même. Là, c'est moi, là, avec un bonnet bleu. Vous avez vu, j'aime bien les bonnets. Hein. Bref, n'importe. Je travaille avec des chirurgiens, mais je ne suis pas un chirurgien. Mon domaine, c'est mes compétences, ce que j'ai appris à l'école, sont les mathématiques, la physique et l'informatique. Alors, je ne suis pas un crack dans ces domaines non plus, hein, mais j'arrive à m'exprimer avec. Alors, vous allez me demander comment je peux être directeur de recherche à l'Institut national pour la santé et la recherche médicale et président de la Société scientifique internationale de chirurgie assistée par ordinateur. Moi, je vais vous l'expliquer. C'est simple. J'ai une méthode, la mienne, hein, c'est juste la mienne. D'abord, j'aime découvrir, j'aime essayer, j'aime apprendre, comprendre. Je suis patient, j'essaye encore et encore. Je ne travaille pas tout seul, je travaille avec des gens, avec beaucoup de gens, en réseau. Je vais chercher les compétences un peu partout. J'essaye dans tous les domaines, vous allez voir. J'essaye partout, mais partout, vous allez voir. Et je donne beaucoup. Je donne des idées, je donne mes idées, je donne des émotions. Et puis, j'ai pas peur. Pas peur, même pas mal. Et même si j'ai peur, je fais quand même. Parce que parfois j'ai peur. J'ai peur de rater, j'ai peur d'hésiter, j'ai peur de mal jouer, mais je fais quand même. Alors je vais vous présenter un petit peu tout ça, dans les minutes qui vont suivre, avec quelques exemples. Suivez-moi. Je suis, dans mon métier de chercheur, confronté à des problèmes comme celui-là. Je vous présente Eric. Eric, c'est un patient qui a une dystonie. La dystonie, c'est une maladie neurologique à trouble moteur. C'est un peu comme la maladie de Parkinson. Sauf que la dystonie, ce sont des contractions musculaires involontaires. Il y a une trentaine d'années environ, un neurochirurgien français a inventé une technique qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde et qui consiste à insérer dans le cerveau du patient de toutes petites électrodes à l'intérieur du cerveau et qui vont aller stimuler électriquement deux petites structures. Et en les stimulant, en continu, électriquement, tout le temps, ça marche. On voit Eric, 3 ans après, il a grandi, il a changé, et ses troubles moteurs ont disparu. Alors Eric n'est pas guéri, mais ses troubles moteurs ont disparu par la stimulation. Comme le cerveau est un peu complexe, quand on stimule à un endroit, on stimule un petit peu partout autour. Comme les neurochirurgiens et les neurologues ne sont pas complètement d'accord sur l'endroit, il n'y a pas un consensus exact sur l'endroit où il faut stimuler, et que probablement il faut stimuler des zones différentes pour chaque patient, il y a chez certains patients des effets secondaires négatifs. Des troubles de l'émotion, de l'apathie, et parfois même l'apparition d'addictions comme l'addiction au jeu. Personne n'avait pas d'addiction avant, et puis avec la stimulation, acquiert une addiction. C'est là que moi j'interviens. C'est là qu'en tant que chercheur, commence mon travail. Alors comment je fais? Je vais d'abord aller chercher mes compétences de base en mathématiques, physique, informatique, et puis les compétences de mes collègues, des super chercheuses, super chercheurs, super étudiantes et super étudiants qui travaillent avec moi,
et qui ont, entre parenthèses, très souvent des compétences qui sont supérieures aux miennes, peu importe. Je vais chercher leurs compétences, on travaille ensemble, et puis on essaye, par exemple, on développe des méthodes qui, à partir des images médicales du patient, permettent de construire un cerveau virtuel 3D de chaque patient sur lequel la neurochirurgienne, à Rennes, qui fait ses opérations, peut préparer son insertion d'électrodes pour essayer d'être la plus sûre possible. En plus, pour essayer de prédire ces effets secondaires négatifs qui peuvent arriver chez certains patients, eh bien, on va aller collecter toutes les données des patients avant la stimulation, après la stimulation, et on va aller étudier ces données pour essayer de voir les cas qui marchaient et les cas qui ne marchent pas. Alors, on utilise des méthodes comme l'intelligence artificielle, par exemple, qui nous permet de prédire, pour certains patients, le fait que la procédure ne va pas très bien marcher ou qu'il faut faire attention parce que là, il y a un effet secondaire qui risque d'apparaître. Et la neurochirurgienne nous dit « ça marche, ça marche ». Les durées de l'intervention sont plus courtes, les effets secondaires sur les patients sont réduits et il n'y a quasiment plus d'infection. Alors là, moi, je suis content. Ce n'est pas toujours comme ça, mais là, je suis vraiment content. C'est une recherche qui a abouti. Alors, on va un petit peu plus loin. Cette neurochirurgienne, on aimerait savoir comment elle opère exactement, comment elle fait, quel instrument chirurgical elle utilise, combien de temps, avec quelle séquence. Alors, on cherche des méthodes qui, par observation, on va aller l'observer en salle d'op, on va regarder ce qu'elle fait, et puis, par observation, on va analyser sa pratique et on va en extraire des graphes, des modèles qui expriment son métier. Ces modèles peuvent nous servir, par exemple, si on les applique sur les infirmières de bloc opératoire, qu'on va elles aussi observer, ces modèles peuvent nous servir pour construire des environnements de réalité virtuelle qui permettent à ces infirmières de bloc opératoire de s'entraîner. On continue la progression, on continue les projets de recherche. Aujourd'hui, on commence, je dis « on », le laboratoire commence avec moi, un projet de recherche. Alors, vous n'en parlez pas trop, parce que je n'ai pas publié encore là-dessus, et donc ça reste entre nous. Hein. C'est un projet de recherche où on va finalement étudier l'activité cérébrale du chirurgien pendant qu'il opère. Alors, pas pendant qu'il opère, parce que bon, ça va un peu le déranger, on va commencer pendant qu'il s'entraîne. Et on va mesurer l'activité électrique de son cerveau pendant qu'il travaille, avec comme objectif derrière d'essayer d'identifier la courbe de progression des chirurgiens, comment il réagit au stress, comment il réagit à un événement inattendu. Et on pense qu'on peut impacter comme ça la progression et l'apprentissage du chirurgien. Et après, vous allez me dire, après, Pierre, tu vas faire quoi après là? Dans 5 ans, dans 10 ans, où tu vas te retrouver? Qu'est-ce qu'on va être les idées? Donc, comment élargir ce champ de créativité? Comment trouver, comment ouvrir des portes? Là aussi, j'ai ma méthode. Très simple. Je cherche partout. Mais alors partout. Je cherche partout. J'essaye partout. Partout, ça veut dire d'abord à l'étranger. Je voyage. Je voyage beaucoup. Je vais aux États-Unis, au Canada, en Norvège, en Allemagne, au Japon. Je travaille avec Makoto, qui est un chirurgien japonais. Et on étudie ensemble les différences de pratique entre les infirmières de bloc opératoire françaises et les infirmières de bloc opératoire japonaises, et je regarde si les méthodes que je développe à Rennes peuvent être utilisées au Japon, aux États-Unis, au Canada. J'essaye partout. Alors, quand je vous dis partout, c'est partout. C'est aussi dans tous les domaines. Je travaille avec des... Vous avez vu, mathématiciens, informaticiens, physiciens, chirurgiens, neurologues, mais aussi avec un professeur de management en entreprise, avec un professeur en design à l'École des Beaux-Arts de Strasbourg. Et puis, j'ai essayé avec des acteurs, avec un guitariste de rock, avec des plasticiens, avec un exemple, les plasticiens. Il y a 3-4 ans, j'ai rencontré Fred et Flavien, qui sont deux plasticiens qui font des installations numériques. Moi, j'avais envie de comprendre comment eux font
pour travailler quelle est leur démarche créative. Et je voulais l'utiliser, cette démarche créative, pour améliorer, vous avez vu cette représentation 3D du cerveau, là. Et cette représentation est un peu complexe, et je voulais faire en sorte que leur méthode permette de la simplifier et permette de transmettre plus d'informations aux chirurgiens. Alors on s'est vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on a fait plein de réunions, j'ai présenté ce que je fais, ils m'ont présenté ce qu'ils faisaient, on a discuté énormément, énormément. On est arrivé à rien. Ça n'a pas marché. Alors pas du tout, pas du tout. Bon, ça arrive. C'est la recherche, on essaye, des fois ça ne marche pas. Il y a un autre exemple. Il y a un mois environ, un mois et demi, la neurochirurgienne avec qui je travaille, qui s'occupe aussi de la chirurgie de l'épilepsie. Donc la chirurgie de l'épilepsie, c'est un peu particulier, c'est dans le cadre de patients épileptiques sévères qui ont beaucoup de crises d'épilepsie par jour, et la seule solution, quand les médicaments ne marchent plus, c'est d'aller enlever par chirurgie la petite zone cérébrale qui est au départ des crises d'épilepsie. La neurochirurgienne, un jour, arrive dans mon bureau. Bonjour Pierre, j'avais une idée là, j'aimerais bien entendre la crise d'épilepsie. J'aimerais bien l'entendre pour voir où elle démarre. À moi, vous me parlez de entendre. Entendre, je pense musique. Deux, trois jours avant, j'avais rencontré Jesse. Jesse, c'est un musicien qui fait de la musique électronique. Et j'ai dit, Jesse, je te donne les signaux enregistrés sur des patients épileptiques et transforme-les-moi en musique. Et là, ce que vous entendez, c'est les premiers résultats que m'a envoyé Jesse juste mardi. J'essaye, hein, vous avez vu, j'essaye, je cherche, je me trompe, je réussis, c'est la recherche. Ici, même là, avec vous, en ce moment, là, sur la scène, je cherche aussi. Je suis aussi dans mon approche de chercheur. Je donne, je communique, je donne. Les rares fois où il m'est arrivé d'être sur une scène, comme là, en concert, j'ai senti que il faut donner, il faut tout donner. Qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas, peu importe, il faut donner, c'est la base, c'est la condition nécessaire. Donc ici aussi, je vous donne. Je m'amuse aussi, hein, vous avez vu. Et je travaille. Et puis je vais apprendre, je vais découvrir, comme vous, je rencontre. Vous aussi, aujourd'hui, vous apprenez, découvrez, rencontrez. Vous êtes aussi dans une démarche de chercheur aujourd'hui, là. Comme moi, vous êtes des chercheurs. Pour une vie meilleure, la nôtre, et puis celle des autres. Ma question, c'est, et vous, c'est quoi votre méthode ? C'est pas si facile.
qu'importe ces vagues de drogue. Vomir à la porte de l'église. Synagogue apporte un sens à la glisse. Ouvrez, ouvrez, Madame Turpin, la faim. C'est pas facile d'être immobile. C'est pas si facile de rester sur un fil. Ouvrez, ouvrez, à l'ours. Levez-vous, mes frères du sang. Artère amère, ville de sens. Attention, Madame Turpin a faim. C'est pas facile d'être immobile. C'est pas si facile de rester sur un fil. C'est pas facile d'être immobile. C'est pas si facile de rester sur un fil. C'est pas facile d'être immobile. C'est pas si facile de rester.